Paris, c'était. Enfin, c'était. Je suis venu pour les Oscars de Belgique, le Critérium 2019 de Willy Mix et puis DJ François. C'est un événement qui donne des Oscars aux talentueux africains chaque année. D'accord. Alors, ils m'ont donné le prix du meilleur entrepreneur de l'année par ma collection BH Collection de Bertini. Donc, je suis venu, donc on peut parler en Belgique, c'est en passé par Paris. La plate tournante, c'est la ville de l'amour, de tout, du fond, tout, tout, tout. Pour mannequin, j'ai commencé au Cameroun. D'abord, au Cameroun, j'étais un peu, j'avais un rêve américain, mais je sors d'une famille très pauvre. Je n'ai jamais su comment j'y serais aux États-Unis. Bon, j'ai commencé à faire dans des clips. Je suis en billet comme les Américains. Puis, subitement, je me retrouve en Afrique du Sud où j'étais parti dans une boîte de nuit. Mm-hmm. Alors, il y a un prospecteur qui m'a vu, s'est attiré de mes yeux. Il me dit t'as déjà dit d'être mannequin? Je dis non, c'est quoi? Il me dit, tu veux être mannequin, tes yeux, ça fait quelque chose, tes oui, tes vrais yeux. Ça. J'ai dit. On peut les voir. Ouais. Attends. J'ai toujours honte. Quand je mets. Quand tout le monde me dit, tu mets les lunettes. Ouais. Il ne faut pas, ouais. J'étais trop abusé avec ça. Donc, c'est là où on m'a découvert. En tant que mannequin, c'était à Cape Town. Ouais. Et j'ai commencé mon premier boulot en tant que mannequin. Ça m'a fait peut-être 10 000 rand. C'était avec Face of Africa, mon boulet là. Je me rappelle, c'était en 2000. Okay. Donc, j'ai fait un bon boulot qui m'a décoché. C'était avec Sting Sunglasses de Milan. Ouais. Qui m'a fait de l'argent. J'ai dit, mais tiens, il y a de l'argent dans cette affaire. Du coup, tu as pris goût. J'ai pris goût. Et mon agence m'a fait un contrat avec les États-Unis. Okay. Super modèle de Johannesburg. Avec ouais. Cosmo Model okay. À New York. C'est là où j'ai commencé mon décroché. Et c'est le nom de l'agence? Ouais, Cosmo Maro. Okay. Et par là, et puis Tara Bank est venue une fois pour l'émission American Next Top Model. Ok, télé-réalité. La télé-réalité, ils sont venus faire le tournage à Cape Town. Mm-hmm. Et ils sont entrés dans mon agence, ils ont vu ma photo. Et j'étais déjà aux États-Unis, j'ai eu un contrat de 6 ans mm-hmm. avec Cosmo. Et ils m'ont fait, je suis passé par, j'ai fait American Next Top Model. Et après, par là, j'ai senti que cette affaire, il y a du bon boulot. Et j'ai voulu mettre en exergue tout mon trajet de mon rêve américain. C'est là où j'ai fait mon premier film. Donc, je quittais de mannequin à acteur. D'accord. Comment mon mannequinat a commencé jusqu'à... Et c'est toi-même qui l'as produit? Oui, je l'ai produit. D'accord. Avec Steve Gangoun, qui est l'un des producteurs qui vit aux États-Unis. Je lui ai parlé de mon histoire américaine. Il a dit, mais tiens, on peut le mettre en movie motion. Ouais. Bon, c'est là qu'il a créé, on a fait American Dream avec les deux stars, les Nibiens, que je crois que... Et par là, bon, je me suis dit que, tiens, j'ai déjà quand même quelque chose de bien. Ouais. Hein? Et je me suis dit, est-ce que je peux un peu give back? C'est ce que c'est? Give back. Donner un service à la communauté. Okay. Donc, il fallait donner un peu service à la communauté. C'est comment je vais faire pour aider des gens. Ok. C'est là où... D'où la création de ton association. Ma fondation, oui. Fondation, Fabo, ok. Fondation. Qui s'appelle? Fabo Foundation. Designer, c'est quand je suis allé à Milan, quand je faisais... Il y a combien d'années? Il y a 15 ans. Quand je faisais Men's Collection avec Ricardo Gay, mon agence de Milan, et on m'a appelé pour un casting. On a dit Bertini. Et je suis arrivé. Ils ont demandé si on croyait voir un designer, pas un mannequin. Parce que ton nom, ça fait un peu. Okay, ça fait un peu italien, designer, Caducci, non, les noms. Du coup, j'ai dit, mais tiens, alors, il y a une qui m'a dit, t'as jamais pensé être, à le faire designer? J'ai dit, pourquoi pas?
Et j'ai commencé par faire ce que je pouvais vendre. Okay. Qui étaient les sous-vêtements Bertini. D'accord. Donc les designs de sport, les trucs de sport. D'accord. Donc j'ai sorti maintenant les jogging Bertini. D'accord. Que vous pouvez trouver aussi. Et couturière. Bien sûr, attends. Que je représente la marque. La marque, bien sûr. Donc c'est par rapport à ça que tu as reçu le trophée. Oui. Ouais, du meilleur entrepreneur international, parce que on me voit partout. De la communauté afro ou mixte? J'ai commencé par la communauté afro, parce que c'est là où on vient. Pour moi, j'ai oublié là où on vient. Et c'est un peu plus compliqué. Et là, maintenant, comme je suis en Californie avec plus de stars, je suis en train de vouloir développer chez les Américains. D'accord. Donc, ce qui fait que vous allez voir que Fali porte Bertini, Davido porte Bertini, Malik Yoba porte Bertini, Ice-T porte Bertini. Ouais. Donc il y a beaucoup de stars qui représentent Bertini. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ce que je vais dire, comme je dis dans tous les plateaux où je vais, qu'on me pose sur la question, parce que c'est vraiment une bonne question pour que nos petits et nos jeunes sachent, parce que c'est pas facile du tout, mais il est bon de rêver. Il faut toujours rêver. On commence toujours par un rêve. C'est pas un rêve. Il y a des gens qui m'ont dit tu rêves, et puis il y aura toujours des bâtons sur des roues. Il faut rêver, pas seulement rêver, le réaliser. Il faut pas seulement comment le réaliser, il faut pousser, il faut travailler dessus. Il faut travailler derrière. Il ne faut pas seulement travailler derrière, il faut avoir les bonnes personnes avec qui travailler et pour arriver. On va avoir beaucoup de personnes qui vont venir vous aider, mais il faut savoir si ce sont des bonnes personnes. Il ne faut pas Vous n'êtes pas descendre ou changer de voie, parce que c'est évident hein, dans le milieu dans de la mode. Dans le milieu de la mode, c'est évident parce que c'est facile de changer. Hein. C'est facile. Ouais, de changer de route, bien sûr. C'est des gens qui vont venir vous dire qu'on va vous amener, mais après, c'est pas ça. Vous retrouvez dans un autre, différent de ce que vous avez pensé. Donc, ce que je veux leur dire, il faut aussi être unique. J'ai même pas envie de te quitter, quoi, franchement. Ton histoire inspire des gens, c'est ce que je vais dire. Et sur ce, moi, je vais te dire merci d'être passé de notre émission. Merci.